Al-Azdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour les meilleures circonstances, pour les meilleures situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester toujours informé des dernières nouvelles de votre chaîne. L'asdiqa, n'tmenna tkounou bikhir wa ala khir aynama kuntum. Ahlan wa sahlan bikum wa marhaban bikum. Cette séquence évoque, cette fois-ci, mais très légèrement, en la frôlant, en la caressant, un certain Polisario, dont la fameuse université d'été a été purement et simplement boudée jusqu'à la fin par une certaine marraine, créatrice, marraine. Vous l'avez tout de suite deviné, il s'agit de cette marraine algérienne. Oui, c'est à l'instar de cette fameuse cérémonie d'ouverture, ce qui reste du pouvoir algérien a boudé tout simplement cette séance de clôture, ce 14 août dernier, date anniversaire d'un certain Oued Dehab Rio Diouro. Mais c'était aussi ce 14 août dernier, cette université d'été de ce Polisario, organisée dans une certaine wilaya de Boumerdès en Algérie. Vous l'avez aussi compris. Ceux qui se disent comme les hauts représentants de cet État algérien ont de nouveau opté pour la chaise vide, une échappatoire, laissant le seul, ce seul soi-disant chef du front Polisario, un certain Brahim Ghali Banbatoche, de son vrai nom sur papier, prononcer un discours et répéter ces traditionnelles menaces destinées au Maroc. En quelque sorte, toujours la même chanson, bis repetita. Et pour enfoncer le clou, même le wali de Boumerdès, sur place, localement, qui avait pourtant assisté au coup d'envoi de cet événement le 3 août dernier, n'a pas honoré du tout de sa présence le chef, ce chef du mouvement séparatiste. Les secrétaires généraux de ces grands partis, soi-disant algériens, ont également boudé cette université d'été de ce chimérique Polisario cette année. Pour rappel, juste pour rappel, en 2018, l'ancien secrétaire général du FLN, Front de Libération Nationale, le très controversé Jamel Ould Abbès, avait pris la parole devant les participants lors de la séance de clôture de cette université d'été du Polisario, toujours à Boumerdès. Et en 2019, le régime d'Alger avait envoyé un certain président de la chambre basse du Parlement, un certain islamiste, Slimane Chenine, pour représenter l'État algérien à cette cérémonie d'ouverture de cette université d'été. Et c'est en 2009, que le comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui avait lancé
une certaine université d'été de ces cadres du Polisario Boumerdès. On les appelle des cadres, mais ce sont des cadres, finalement, sans aucune représentation au final. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés tout doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant, bien sûr, avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les dernières infos via les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, pour votre fidélité, pour votre soutien de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager autant que vous pouvez le faire et partout où vous êtes. Faites-le parce que la chaîne a besoin de votre aide, de votre soutien, a besoin énormément de vous. L'asdiqa, وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois إن شاء الله. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.